Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les, elles vous feront rappeler l'au-delà, rapporté par Al-Hakim. Visitez, zoro al-qubur, va voir les tombes, il dit, il est là aujourd'hui, demain c'est moi. Et Allah, qu'est-ce que j'ai préparé pour là? J'ai préparé pour aller au Maroc, j'ai construit, j'ai... C'est autorisé, halal alik, masha'Allah. Mais pour là, t'es riche ou t'es pauvre, t'as des milliards ou t'as rien dans ton compte, eh bien, tout le monde sera logé à la même enseigne. Al-qabr, sunduq al-amal. T'as préparé quoi, Abdallah? C'est peut-être dans deux heures. Tant que tu te prépares, eh bien, tant mieux. On t'a pas dit de te sacrifier. Non, prépare-toi, profite de la vie d'ici-bas, mais prépare-toi pour le delà. Et en pensant à la mort, eh bien, tu vas préserver aussi ta foi, ya Abdallah.